Comment ça va YouTube? Je suis Aspen et je suis allé à Paris pour quelques jours pour vous ramener cette vidéo. Non, Olivier, non, je ne suis pas allé à Paris pour les Jeux Olympiques. Ils étaient en construction quand j'y suis allé. Donc non, hein, c'est clair? On peut commencer la vidéo? Parfait. Bon, comme vous l'avez deviné, je suis allé à Paris pour quelques jours. Et, comment dire, je savais que ça allait pas être comme dans les films, hein. Je regarde Cyprien et toi français qui parlent de... Mais j'étais déçu, hein, parce que, pour être honnête, Paris c'est juste une autre ville en Europe, c'est tout. C'est juste que je me sentais comme à Belgrade, mais je pouvais communiquer. À Belgrade. Dobardan, il y a le Zlatik derrière, comment on dit, putain, bibliothèque. À Paris. Bonsoir madame, est-ce que vous pourriez me dire où est la bibliothèque? En fait, je suis un auteur en charge de l'inspiration pour les prochaines œuvres. Auriez-vous la gentillesse de m'aider à trouver le chemin pour cet établissement de connaissances générales? Oui, c'est en bas de la rue. Merci. Bon, plus c'est améliorant, là, ça, bon, faut pas exagérer. Partissement. Pour le reste de cette vidéo, je vais faire des références à la vidéo des States de Cyprien parce que, soyons honnêtes, le Canada, ça ressemble beaucoup à ce cercle. Donc, sans plus tarder, comme vous voyez, je suis un grand fan de manga. Et comme tout Québécois qui va à Paris, je me suis acheté des CD. Non, je déconne, je me suis acheté des mangas. Et bon, oui, je sais, il y a des tomes à 8€. Mais c'est des séries qu'on n'a pas ici. Hein, j'ai jamais vu The Climber ou Ascension en français. J'ai jamais vu ça dans une librairie au Canada. Hein, ils nous chargent 8€ pour un tome normal. Hein, un tome normal de Jojo, ça coûte 12,95$. Hein, avec taxe, ça fait 15$. Ce qui, selon Google, fait 10€. Hein. Un manga normal de Jojo, vous savez combien ça coûte à Paris? 6€. 6€. Hein. Ils nous mangent les portefeuilles comme des cannibales. Hein, je suis parvenu à un concert de death metal. Hein. C'est quoi ça? Tu roules de manga. Je me suis acheté tome 1 de partie 9 de Jojo, hein, qui sort pas au Canada avant avril, et je l'ai pris pour un bon prix. Inuyashiki tome 1, hein, il était en solde 3€. Hein. The Climber tome 1 et 2, en français, ça fait longtemps que je veux cette série, finalement commencé. Berserk tome 4, parce que je sais pas pourquoi, il n'est jamais en magasin. Et Biomega tome 2, la grosse édition. Ah, ça aussi, je ne l'ai jamais vu dans un vrai magasin. Donc, ça fait du bien. Bon, je me suis aussi pris des mangas en Serbie. Genre, Junji Ito en serbe pour que je pratique mon serbe. Et Dorohedoro tome 17, parce que j'avais envie. Je me suis aussi acheté ce cendrier du Tournée du Chat Noir. Je fume pas, mais c'est cool à avoir. Mais bon, sinon, j'ai vraiment aimé Paris, hein, c'était quand même beau, hein, impressionnant de voir la Tour Eiffel en personne. Bon, c'est un enfer à prendre une photo, mais c'était une belle ville, hein, les croissants, les baguettes. Franchement, Paris, c'est très bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo,
Hein, regardez-moi, Aspen Mangaka, sur mes autres réseaux. Hein, je mets tous les liens, pas sur la description parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais regardez mon TikTok, mon Instagram. Je poste beaucoup de mes dessins là-bas. Je pense poster un peu plus sur YouTube puisque j'attends encore pour le papier. Et c'est tout pour moi. Merci. Aéroport de Paris peut sucer mon cul.